Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui parce que c'est la quatrième semaine du pass saisonnier et j'ai réussi à faire quatre vidéos d'affilée, non pas du tout. J'ai réussi à faire une vidéo sur le pass mais sur quatre semaines différentes, ça m'était pas arrivé depuis v'là les jours, comme on dit. Donc parfait. On a eu des nouveaux défis saisonniers déjà. J'en ai déjà eu un rapidement comme ça, sans connectant. Là, il faut terminer l'insertion du challenger et faire des frags au fusil de précision, ce qui fait qu'on va donc bien évidemment se mettre en mode non. Fusil de précision double, non pas du tout. Mais j'aimerais bien tester des trucs sur celle-là. Notamment ça. Voilà, on va garder ce fusil de précision ombre longue. Et regardez-moi ça. Ouais, vous savez exactement où est-ce que je suis allé. Mais bref, on va pas en dire plus. On dit pas plus. Mais ensuite, du coup, on a donc des interruptions évitées. Donc, ah oui, d'accord. Empêcher les adversaires d'interrompre le spectre dans les missions en champ de bataille. Ça, c'est dans le celui sur le cosmodrome, je crois. En tout cas, je le vois sur le cosmodrome, je vois pas sur les autres, donc on verra. Éliminer les champions et réaliser des frags de grenades en champ de bataille, bien sûr. Ok, très bien. Terminer un chèque Tamblier en difficulté légende ou supérieure. Légende, ça devrait le faire vu que je suis à 1300 de puissance maintenant. Décrypter des engrammes, parfait. Ok, d'accord. Ça peut être assez facile. Faire chanceler, perturber ou percer ou perturber les champions. Donc ça, c'est juste utiliser les mods de champions. Éliminer les puissants combattants en gambit, l'épreuve et assaut de nuit noire. Ok, en difficulté héroïque ou supérieure. Alors héroïque, c'est combien déjà exactement? Ça, c'est assaut de l'avant-garde, donc il faut que je fasse nuit noire. Héroïque, c'est 1270. Ça reste facile. Ça reste facile comme challenge. On a des défis qui sont assez simples, tout en étant différents de la dernière fois, donc c'est assez intéressant. Bon. Je vais en profiter pour augmenter un petit peu le son de Destiny, bien sûr. Et on va en profiter un petit peu pour aller au Simu. C'est là que la quête commence. J'ai pas regardé exactement quelle était la. Nouvelle. S'il y a un nouveau champ de bataille d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas de nouveau sur cette saison, enfin cette semaine-là. Alors. Donc. Nessos, Europe, le cosmodrome. À chaque fois que les cabales retournent au front, nous aussi. Osiris a envoyé le corbeau enquêter sur leur plan pour les moteurs prédictifs Vex. Nous avons besoin de vous sur le front. Attirez l'attention sur vous pour faciliter la mission d'infiltration du corbeau. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à récupérer tout ce que vous trouvez. Les armes, l'or. Sans leur système natal, ils n'ont pas de provisions. Et sans elles, ils ne tiendront pas longtemps. Eh bah dis donc. On est donc parti sur une mission de génocide des cabales, bien sûr. Action nouvelle est faite, elle parle de respecter ses soldats et le contrôle de ses sujets. Hein, c'est une champ de bataille, le chien a demandé au corbeau de continuer. D'accord, très bien. J'en suis pas sûr, mais on verra. Paf! Nouvelle amélioration, du coup, parce que j'ai terminé le succès. Alors, du coup, il y a quoi? Charge de marteau supplémentaire, briser les coffres, d'accord. Briser des coffres de tribu, confère deux unités d'or cabale. Ça serait assez intéressant. Non, j'ai rien dit. Ça dit le nombre de charges possible, on s'en fout. Médaille en challenger qui aujourd'hui vient de l'Umbra concentré, d'accord. Vient de l'équipement de la saison des élus aléatoires dans les coffres de la Légion Rouge. Enchant de bataille, ok. Et ça, c'est quoi? C'est à chaque semaine briser un coffre de tribu. Je vous confère un engramme de l'Umbra concentré. Oui, ça, c'est la merde. Ok. Oh, ça pourrait être intéressant. On va essayer de prendre celui-là, je pense. Ouais. On va prendre celui-là, histoire de débloquer la meilleure Challenger 3 pour la suite. C'est ça.
Parce que ça pourrait être très très intéressant. Ouais, ça pourrait être très intéressant. Ok, les contrats, donc champ de bataille, arc, combattant, frag abyssaux. Ok, on prend les mobs. D'accord. Un combattant avec une grenade fait apparaître un puits élémentaire correspondant à l'énergie de Doctrine. Ok, très bien. D'accord. Très bien. Juste du coup, vite fait la boutique, juste avant de commencer. Parce que c'est drôle. D'accord. Ok, merci les gars. Ça, ouais, ok. On a la danse élégante. Incroyable. Ok, très bien. C'est pas ouf, mais tranquille. Ouh là là, putain, il y en a des trucs. Alors, on a les gants célestes. Ah, donc le premier ornement du truc de la saison, je suppose. Le pack céleste, c'est ça. Et bien sûr, nous, ce qu'on cherche, c'est la robe céleste, bien sûr. Le meilleur ornement du bordel. Et pourquoi pas prendre ce gant. Transporteur géant. Alors oui, alors c'est le vaisseau qui ressemble à R. Peu importe comment est-ce que tu l'habilles, hein, c'est... D'accord. Ah oui, alors ça c'est oui. Donc ça c'est pour le fusil à fusion bastion de Saladin. Pas le Saladin de 914, mais cette fois-ci il est rouge quoi. Peur du noir. D'accord. Donc ça c'est pour le péché de Nézarek. Le problème c'est que le péché de Nézarek il est pas incroyable. En tout cas, j'utilise pas très souvent. La coque synchrotronique. Ouais, elle est pas trop trop bien. Sans vouloir vexer. À moins que peut-être sur un malentendu. Ah, sur un malentendu, elle pourrait passer, quoi. Ouais, bof, on verra. Et le mélange détonnant. Voilà. Incroyable. Incroyable, décidément. Et la protection pour l'action Vigris. Ok, très bien. Oh, tiens, il y a ça, mais j'ai pas d'espace. Ok. Déjà, on va débloquer les gants. Voilà, comme ça, on aura débloqué la partie de l'ornement de la saison, comme ça. Au moins, on sera fait. Et bah, pour le reste, et ben. Ça doit être une référence. C'est une référence que j'ai pas compris. Ok. Bon, du coup. La quête se trouve où exactement? Ah oui, il faut insérer dans le. Ah putain, non! Non! Pas encore, sa mère! Ma vie est nulle à chier. D'accord. Ok. Est-ce que je peux pas enlever les charges? Je m'en fous, moi, de perdre des trucs. Bon, pas de chance. Toujours le même problème. Hein. C'est toujours le même problème. Bah, du coup, champ de bataille. C'est parti. On va en faire 12. Et on va speedrun. De toute façon, il faut tuer avec des cibles des fils de précision. Détruire des champions et faire des grenades. Donc bon. On a du pain sur la planche. Alors. Brûlure solaire. Il est l'heure de partir sur la rapidité du feu. On va prendre ça. Ouais. On va voir ce que ça fait. 1290. 69. Ah oui, non, mais c'est pas le bon. Oui, c'est ça, c'est pas le bon. ça explique pas mal de choses. Bien. Okay. Alors, du coup. Ah ouais, il y a ça, c'est vrai. Alors. Au revoir. Et voilà. Non! Oh, chiant, ces gens, bordel. Putain! Laissez-moi. Voilà. Alors, donc, tac, on va en profiter pour tirer un petit peu sur les ennemis de base pour les one shot avec le. Je vais tirer dessus. Ah, c'est bien le Hobo Goblin. Voilà. Pendant ce temps, il tire sur les gros ennemis, mais nous, on veut farmer, vous voyez. C'est vrai que c'est vraiment les manières les plus efficaces d'utiliser des armes comme le sniper. Je l'ai vraiment tué en train. Bon allez, maintenant on va tirer un petit peu avec notre fusil automatique. D'accord, gros connard comme on l'appelle.
Je vais appuyer sur grenade, mon dieu. Ok. C'est qui nous tire dessus de manière aussi véhémente? Non, c'est il est mort, ça y est. Parfait. Ok. Ah, faut que je tue des gens avec un arc aussi. Bon, ce sera pour plus tard. Hein. Là, j'ai vraiment la flemme pour celle-là. Alors. On va tester ces 1000 lois là. Toi, viens là. C'est pas nous. C'est pas moi qui fais ça, mais. Mais c'est chiant! Il est venu mourir! Ça pour me faire chier, quoi! J'y crois pas. Ok. Pas de munitions. Ah oui, non, ça doit être là-bas. Parfait. Deux frags supplémentaires. Eh ben putain, ils vont vite. Où sont les munitions lourdes? Pas encore, c'est ça? Ils sont là-bas, mais pas encore. Ok. Ah si. Je le savais! Parce que ces munitions peuvent nous permettre de récupérer des munitions sniper, ce qui nous permet de continuer à farmer. Alors, où ils sont? Tac, 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 tac. Là. Ok. Oh, chiant. J'ai la flemme. Ah, voilà. Ça, c'est des gens pour moi, ça. Il s'est fait one shot. Ah. Il y a qui d'autre? Là-bas. Ok. Ah merde, il est là-bas. Fuck. Genre, j'aurais dû comprendre. Il s'était réfugié dans un petit coin là, comme ça. Vraiment pas très sympa quand même. Hop. Moi qui voulais juste speedrun, bien sûr, c'est pour ça que je tire sur des. des putains de chiens cabale avec mon sniper. C'est exactement par ça, c'est parce que je veux speedrun, vous savez. On dirait pas, mais. Voilà, et là. Oh, parfait. Ouais, mais non, lui il va crever. Hein. Ah oui, alors faut que je fasse gaffe à ça. Hein. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal. Il aurait dû crever lui, je sais pas pourquoi il a. Bon, très bien. Alors, hop. Oh, allez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la stase. D'accord, monsieur. Et je vole. Je vole, mais je fais bizarrement pas beaucoup de dégâts. Viens là. Non, pas comme ça. C'est bon, let's go. Qu'est-ce qui m'a tué d'ailleurs? Un peu bizarre ça. Bon, bref. Alors. Tac tac tac. Pas convaincu de cette arme exotique, mais on verra. On verra, on verra. Il faut appuyer sur. Oui, en effet, il faut maintenir E, les gars. Alors. Tac. Oh, c'est pas mal ça. Bon, j'ai un peu rebondi, mais sinon ça va. S'ils étaient doués, ils se seraient mutuellement éliminés depuis longtemps. Alors. C'est bien de refaire le premier champ de bataille au début, parce que quand même, ça permet de voir un petit peu d'où on vient, quoi. Et de constater que c'est une partie de Nessos qu'on voit pas très souvent et qui, en plus, est assez intéressante à explorer. Donc c'est assez cool, quand même, pour le coup. Pour le coup. j'ai hâte que ça m'apprenne à la détester. Du coup, attendez, parce que je sais même pas où est-ce qu'on est là maintenant. Tellement je suis jamais allé dans cet endroit. Mais bon, il y a des munitions par là, je crois. Ouais, exactement. Pas le seul à avoir connaissance de cette chose. Voilà, petite grenade. Alors. Oh non! Oh, j'ai sauté ça! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, parfait. Oui! Oui! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est où? Ah, il est là-bas! Regardez-le!
Il y a des munitions secondaires là-bas, donc je vais aller. Je sais pas, mais je vais pas me. Attendez. Ah, ok, d'accord. Oui, il y en a un qui drop ici aussi, ok. Hop. Mais, laisse-moi tranquille. Ah, mais il est là-bas! Gros chien! Ah, d'accord, ok. Je prends les munitions. Ah, y'a un chien! Je sais pas combien de cibles on est. Alors. Let's go! Oh le noscope! Oh la prise de confiance! La prise de conscience! De confiance! Oh là là, c'est dur! Hop! 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 Parfait! Voilà! Il doit être 13, hein! Ouais. Oh, je suis occupé. J'ai piscine. Vas-y, vas-y, vas-y. Parfait. Tac. Parfait. Il est temps de tester cette arme encore. Là, on a des munitions. Là, venez. Mais il s'est barré, ce chien. Ah! Ça explose après. C'est pour ça, je me disais, ça faisait pas mal, dis donc, le premier rayon. Mais c'est parce que c'est pas que le premier rayon qui fait des dégâts. C'est pas un bon endroit, là. Ah, let's go. Parfait. Alors. Ok. Donc. Pas bien. Oh putain, oh c'est parti hein. Hop. Oh ça a explosé, ça a tué le mec à côté. Incroyable. Ça met quand même vraiment bien en fait. Ok, quickscope, quickscope. Hop. Non. Oui. Non mais il se barre comme ça aussi. Ok. Quickscope. Ah non, c'est vrai, j'ai cancel le rechargement, je pouvais pas tirer. Ah là là, les mécaniques de Destiny 2. En même temps, c'est trop facile de pouvoir cancel les rechargements. Mais je me disais que c'était une bonne technique un petit peu. Peut-être que ça a encore été balance pour le PVP et voilà, mais ça aurait été une chouette mécanique. Regardez, putain, c'est trop stylé. Je suis désolé. Fuck. Oh, allez, on met un peu sur le boss. Non, j'ai rien dit. Au revoir. Putain. Énervé comme d'hab, ce boss. Bon, après, là, je suis même pas exprès. Je vais skimmer. Ah ouais, la barre de vie qui descend quand même, hein, mine de rien. Ah, 1, 2, 3, non, 3, 4, ok, parfait. Il fait quoi le con là? Non mais laissez-moi tranquille, wesh. Le pauvre, il est tout seul. Bon, ok. Là. Bon. On va se positionner tranquillement au meilleur endroit adéquat, vous savez. Rien ne sert de courir. Voilà, tranquillement, on recharge, on tire, tranquille. J'ai pas de munitions. Mais c'est moi tranquille par contre. Je vous ai fait quoi? Pourquoi c'est moi qu'on focus? Ah, ça fait la troisième rafale que je me prends là. Voilà, exactement. Focusser le mec qui vous fonce dessus, là, s'il vous plaît, monsieur. Commandant Dracus. Tiens là. Bon, ok, d'accord. Décidément. Décidément, ils veulent pas que je joue. Oh putain, j'arrive vraiment à ce moment là. Je suis pas là. Parfait. Non. Oh,
Allez, on va pop le guns, mais. Petit panoramique. Oh là là. D'accord, il s'est rien passé. Merci. Merci la grenade. J'ai vraiment zéro munitions. Il n'y avait pas des munitions à récupérer ici? Non, vraiment zéro. Parce que là, j'avoue que j'ai vraiment R, quoi. Après, c'est normal, je pense. Peut-être que j'ai peut-être tout claqué sur des chiens. Mais quand même. Excusez-moi. Oh putain. Eh bah, donc ils sont beaucoup là-bas. Ils n'en ont que pour mes bons yeux. Il a vraiment touché? Putain. Alors. Ouais. Ouais. Hop. On va aider un peu tout. Ah. Ils l'ont tué? Parfait. Bon. Allez. Je respecte un commandant disposé à risquer sa vie sur le du coup. C'est facile à dire quand vous êtes le dernier debout. Alors non, pas par là. Hop. Et donc là, on a lui là, on l'a. Donc il nous faut deux charges de marteau pour gagner des engrammes de l'ombre. Ok, c'est intéressant. C'est pas incroyable. Mais par contre, ça me permet de gagner forcément un engramme de l'ombre. Ok, ça c'est cool ça. On va faire ça. Et toujours du lumen parce que j'en ai besoin. Ok, il me manque l'arc bien sûr. Un matos de pétrifié, un commandant et puis le coffre d'un tribut. Bah c'est écouté à la fin de l'activité en champ de bataille. Ok, très bien. Ok. Donc on doit juste faire du champ de bataille. 46 sur 50, ça va. On a mis du temps. Par contre, 17 sur 45 en grenade et 2 sur 10 en champion. Et pourtant, j'ai pas mal de... Ouais, j'ai 79 de discipline quand même. C'est assez étonnant de voir... Je galère autant à faire des frags avec de la grenade. Avec la grenade, je veux dire. Bon, c'est normal. À côté, pas la meilleure doctrine pour ça, hein, la lame de l'aube. Mais bon, merde. Ça fait chier, quoi. Du coup, c'est un rayon destructeur. Un rayon mortel géant en continu, mais ils nous disent pas que après ça explose, c'est ça? Surchauffé à l'impact pour vendre des explosions à retardement, c'est ça? Elles sont plus élevées, d'accord. Quand est-ce qu'on a l'arme plus viable et plus simple et plus lourde? Ok, d'accord, très bien. Et du coup, le lien séculaire. Alors, du coup, j'ai un arc, on va l'utiliser et on va continuer de sniper jusqu'à ce que voilà. Et après, on prendra d'autres trucs. Par contre, comme je prends pas de fusil mitrailleur. Partir sur l'arc. Même s'il n'y a pas de surchargé. Ouais. On va soit un revolver, soit un fusil à impulsion. On va prendre le fusil à impulsion. Voilà, comme ça on est prêt quoi. Et on va repartir donc sur un champ de bataille. Et normalement, bah, une fois que j'aurai fait ce champ de bataille, je sais pas du tout quoi je vais. Enfin, quoi je vais foutre. Non. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Tac. Alors, pendant ce temps, regardez comment j'essaye de faire en sorte de mixer un petit peu les deux armures de la saison que je vais avoir progressivement les ornements de cette saison. Mais je le mixe un petit peu avec celle de la saison dernière, la saison de la traque. Grâce à un magnifique revêtement que j'adore, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs. Je pense que je vous l'ai déjà montré, le fameux tortue. Ah, j'ai pas le temps, bref. Donc. Alors. Ouf. Yes, let's go, plus 1. Alors, oui. Oui. Oh putain. Les Vex se font décimer. La décima. Hop. Oulala. Ok. 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 Normalement on a fini je crois en termes de sniper, je vais juste vider ce chargeur là. Voilà. Bon, maintenant on est parti. On est parti pour faire des frags avec voilà, avec l'arc. On a un chardon avec nous.
Ah. C'est de la merde. C'est de la merde comme grenade, mais normalement, oui, ça va. Il y en a quand même eu quelques-uns qui ont été touchés. Alors, excusez-moi. Et paf! Oh putain de merde! J'ai l'impression que l'armure ça clique. Oh. Plus au premier tir qu'au deuxième, forcément. Mais ça m'a même pas touché! Ça m'a tellement même pas touché! Oh putain, je suis fait cabalhead! Quelle horreur! Ça m'a même pas touché! J'étais même pas dans la hitbox. Bon, bref. En tout cas, si c'était dans l'hitbox, ce n'était pas suffisamment clair au niveau visuel. Voilà. Oh, dommage. Ouais, mais si ça avait touché. Et si ça avait touché. Je pique les mobs de mes alliés de manière complètement impériale. Et impérialiste. C'est bon ou... Voilà, je vais vous aider un peu. Monsieur. Ah. Oh, magnifique. Quoi? Mais... Oh, on s'emmerde. Ok. D'accord. J'utilise mon cercle. Ah, c'est une merde. Quoi? Hein? Non. Hein? Parfait. Ok. Ok. Heureusement qu'il s'occupe des gros ennemis et que moi je m'occupe des petits pour farmer. On a combien des arcs là? Je crois qu'on est pas si loin là de la fin. Mine de rien, c'est quand même pas mal d'ennemis là dont je me suis occupé. Là voilà, parfait. Ok, donc maintenant que c'est fait. J'ai une idée. Ah mais j'ai pas le. Ouais, j'ai pas les gants pour. Ce que je pourrais faire, c'est Monte Carlo. Je Monte Carlo into exotique. Non. Exotique armure. Le bras soleil. Et derrière. Oh la technique de merde. Non, il me faut un fusil impulsion. Vous dit. Parfait. On l'a étourdi, c'est tout ce que je voulais. Deuxième? Ah, allez, la deuxième, let's go. Alors, je vais essayer de pas me faire écraser par les cabals. C'est tout? Non, c'est bon, normalement. Voilà. Accès autorisé, c'est parti. On fonce. Je continue de revenir sur cet endroit parce que vraiment les crânes de ce passereau sont incroyables. Le crâne de ce passereau est incroyable. C'est la première fois que je me fais détruire en allant sur ce saut. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon bah du coup. Merci de m'avoir poussé mon bro, ça me fait plaisir. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Non c'est bon, il se casse. Bon. Ah oui, donc lui, oui machin, j'ai le passereau. Oui, j'ai le passereau du raid. Oui. Aïe. Ouais, vas-y, va plus vite, va plus vite. Gros chien. Gros chien. Bon, du coup. On arrive enfin là-bas. Et paf, tiens, je te détruis ton... C'était la colère. Alors, je crois qu'ici, c'est pas le meilleur endroit. Bon, déjà parce qu'il y a eux. Ah oui, parce que je me suis fait exploser par l'explosion de mes ennemis que j'ai explosé. C'est parti! Y'a qui? Non, c'est bon en fait. Ha! Non, c'est pas par là en fait. Ah mais non, je devrais prendre. Ah mais non, j'ai rien dit en fait. J'allais dire, je devrais prendre la stase qui me donne de la force. Mais. Je ne peux pas faire de kill à la grenade avec la stase. Parce que les grenades de stase sont... Elles sont pas nulles. Elles sont très très bien. Mais le problème c'est que bah, c'est pas des grenades pour tuer des gens quoi. En tout cas pas, pas pour faire des frags de grenades.
La but à la fin, c'est de les tuer quand même, mais pas avec la grenade en elle-même. D'accord, donc ils sont TP, parfait. Lui aussi. Bon, ça sent la connexion au serveur de Destiny 2, ça. Ah, ça l'a pas touché. Voilà. Je vais ski les balles. Vous ne savez pas viser. Hop. Ok, toute cette situation de stress aurait pu éviter si j'avais passé 2 secondes à couvert, mais je ne... Mon honneur me disait non. Et j'ai écouté mon honneur. Paf! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Je crois que j'ai l'arme vorpale. J'ai oublié de changer. Alors que pour clair, c'est quand même vachement mieux d'avoir autre chose. Merde, y a personne d'autre, putain! Avec un frag, c'est nul. Il y a des exotiques qui donnent de la force. Faut que je retrouve. Voilà. Mais non, mais s'il vous plaît, me faites pas chier. Voilà. Voilà. Quoi? Bah, il est instable, certes, mais j'ai pas pu le. D'accord. D'accord, je peux pas le. Oui, d'accord, oui, non, je peux vraiment pas le. D'accord. Viens là. D'accord. Putain. Mais il pète les couilles. Viens là. Voilà. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début. J'ai déjà pris ça? Oui, j'ai déjà pris. Parfait, je suis sûr. Alors, il y a des gens, il y a un genre. Dégâts. Bon, j'ai un bord pas là. Pour le coup, ça va pas toucher. Très bien. Let's go. Ok. Je crois qu'on a bientôt passé la série de niveaux de merde. Et ça, c'est cool, ça, pour le coup. Hop. Ça fait plaisir. Alors. Oui. Mais quoi? Et ça aurait pu aller jusque lui quand même là. Bon. Oh, et puis merde. Voilà. Parfait. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça a bien marché. Bien wesh les gars. Allez, on va utiliser. Je suis un très très bon lanceur, vous allez voir. Alors pas comme ça. Parfait. On se focus sur celle-là. On se focus. C'est exactement la même au bout d'un moment. Bon, fais chier. Là. Parfait. S'il vous plaît. Sérieusement là? J'étais devant, mais j'étais trop devant pour pouvoir appuyer sur eux quoi. Ah, quelle vise merde. Oh, c'est pas mal ça. Les troisièmes. Les trois, let's go! J'appuie sur mon arme de mêlée. Parfait. Super sur celle-là. Oh, je vais te combattre. 2, 3, 4, 5. Ah, je suis mort. C'est dommage parce que. Ah, mais ça y est, il me reste. On recommence. D'accord. J'appuie sur reste. Au revoir. Ouh. Vite. Non, laisse-moi tranquille. Ok, parfait. Vas-y. Des barrières histoire. Ouais, let's go. Parfait. C'est ça qui est bien avec cet arbre de l'Arcanis, c'est que regardez-moi ça. Je vole et je tire en même temps. Même pas besoin des exotiques de nulos. Pour s'arrêter dans les airs quand on vise là. Ah ouais, s'arrêter dans les airs quand on vise là, oui, pour être encore plus visible et plus touchable. Bien sûr que non. Viens là. Et en plus on peut dasher. Vous osez me dire que y a des trucs qui sont mieux en PvP quoi. Non mais on est où là? Viens là. Parfait.
Oh, c'est parfait. Et là, du coup, on a le temps de se barrer parce que j'ai fait que deux coups. Connard. Mais pourquoi? Il me voit pas, en fait. Pour une fois que je me demande que les ennemis m'aggro, quoi. Oh, merde. C'est parti. Paf. 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 Fuck. Paf. Ah, ils vont se faire détruire par la stase là. Connard de stasique là. Avoir un truc trop bien là. Et pas qu'en PVP. Oh, un engramme de l'Umbra. Gros chien, voilà. J'attends. Ça m'a touché. Bah bravo. Bravo l'éducation nationale. Incroyable. Il se barre. Il se barre et lui il a pas été touché. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Oui. Oui. Parfait. Oh, il y a lui. Parfait. Non, il y a trop de niveau. Je me demandais si je pouvais pas le déstabiliser deux fois grâce à l'incompétence de mes alliés. Mais ils ne sont pas incompétents. Mes prévisions étaient inexactes. Oh putain. Putain. Oh c'est chiant. Oh j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire mes devoirs. Oh non mais non mais non. Oh non c'est vraiment nul. J'arrive. Je mets une grenade et je me barre. Hein. Salut bonne chance. Ouais parfait. Oh, est-ce que c'est le moment? Hop hop. D'accord, ok, bah je vais me faire foutre alors. Je vais me faire foutre alors. Ah et la puissance est quand même assez importante quand même chez ce genre d'individu. 92 c'est bien. On va enlever celui-là. 73 et 74, j'ai pas besoin. On m'a raise ou pas? Non on m'a pas raise. De toute façon là ils vont terminer là. Ah non merde, putain mais ils ont vraiment pas touché. Oh trop chiant. Je vais devoir m'en occuper, je vais devoir jouer aux jeux vidéo. C'est chier là. Trop chiant. Mais pourquoi ils sont tous là, bordel? Laisse-moi tranquille. Oh là là, putain. Oh là 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 là. C'est bon, normalement ils m'ont tué. C'est bon, parfait. J'ai la flemme là. Vraiment. Il y avait trop de gens. J'avais trop pour mon simple esprit. Et paf! Sur 3 armures de Thor's instant. Parfait. Et voilà. Bon, on a déjà entendu ces lignes de dialogue. Donc, tac, on va très vite. Au niveau de tout ça, donc ça y est, on a enfin terminé la traversée du désert qui était les 71-76. Maintenant, que des bangers. Banger, banger, bon ça c'est ok. Banger, ça c'est de la merde. Banger parce que j'ai le manque de lumen. Trop bien, nul. Banger, pas ouf. Banger, c'est ok. Banger, ça c'est nul. Ça c'est ok. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est ok, ça c'est un banger, ça c'est un banger, ça c'est ok, ça c'est un banger, ça c'est un banger. Voilà. Donc normalement, on arrive sur une fréquence ok. Il nous suffit de terminer tout ça. Ok, parfait. Bon, on va arriver très très vite. Alors 90 pour 92, c'est nul. La chasse ultime, je vais le mettre dans le coffre. Les armures de raid, c'est sympa, mais quand c'est pas suffisamment fort, on s'emmerde. Non, il y avait ça, mais il y avait ça aussi. Il y a ça et il y a ça. Parfait. Hop. Ensuite. Ah, le item management. Bien sûr. J'ai la flemme de lancer l'appli. Ça, 90. Tac, les matériaux d'armurier. 89, 88. Ok, bon. Parfait.
Allez au corbeau, il est là. Il est là, parfait. Écoutez, j'ai étudié vos prédictions tirées de Nessos. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que les cabales vont tenter d'éliminer Zavala. Ah. Il n'est présent dans aucun futur qu'ils ont prédit. Et ce n'est pas parce qu'il a disparu des radars. Il est mort. Pour Osiris, ce ne sont que des possibilités, mais je les crois exactes. Zavala a refusé de coopérer avec Kayaton. Elle y gagne à l'éliminer. Elle fait passer un message. Lueur n'a pas déterminé la date et le lieu. Les données manquent. Il paraît que les Vex peinent à prédire vos actions. C'est peut-être notre chance. Ça vous dit d'entraver une prophétie? Ok. Après, c'est vrai que la mort de Zavala pourrait être assez intéressante pour la cité, même si c'est pas ouf. Et que Zata, ça crasse quand même le bro et qu'on va tout faire pour le sauver. Mais c'est vrai que thématiquement, c'est un des mecs qui est réticent à l'utilisation des ténèbres. Et je pense que ça va être un truc qui va être de plus en plus important et obligatoire dans l'avenir. Mais bon. Le regard du corbeau est austère, ça va trahir son attitude. Il vous dit qu'il est passé sur Nessos et qu'il a fait un saut près d'une déchirure vex à proximité de l'endroit où vous avez calmé les psions. D'accord. Il devait en avoir le cœur net. Lui, on les a fait entrer et ils ont réussi à obtenir une transmission cabale incorrompue du site. Il est peut-être inutile de vous inquiéter, mais elle est arrivée sur Europe. Le corbeau se sentirait mieux si une des connaissances pouvait vérifier de quoi il s'agit. Ok. Découvrir pourquoi les cabales sont venues sur Europe en obtenant des fragments mémoriels vex et en les décryptant. Éliminer des vex dans l'abysse de. Éliminer des vex dans l'abysse d'Astérion sur Europe pour obtenir des fragments de mémoriels vex. Les fragments de précision ont plus de chances de donner des fragments. C'est la première fois qu'on ne demande pas de faire un champ de bataille. Ok, très bien. Tout ça, j'en ai rien à foutre. Donc on va pouvoir passer... ouais, là-bas. Allez, à l'attaque. Alors, pour ce qui est de la suite, j'aimerais juste voir au niveau des défisonniers. Là, oui, on est bien à donc, 5 champions éliminés. 35 grenades sur 45. Et les champions perturbés... 4 sur 30. Ok, lol. D'accord, on va se faire chier. D'accord. C'est intéressant de voir qu'il y a énormément de... Ouais, il n'y a pas de faites des contrats sur une planète. Ça, c'est cool. Parce que peut-être qu'ils ont utilisé toutes les planètes. Non, ils n'ont pas utilisé la ZME, mais bon. Ça, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que c'est pas ouf de l'utiliser sur l'arcaniste. Je vais utiliser ça pour débloquer des armures de titane. Ok. Bon, et bah allons-y. On va pas toucher à Varix, hein, c'est bon. Normalement, merde. Ça fait chier, quoi. Bah tiens, on va prendre la Stas hein, pour celle-là. Stas into Monte Carlo, qui est, je crois, une des meilleures combinaisons que j'ai jamais vues. C'est trop bien. On gèle les gens, on les tue avec Monte Carlo, puis on peut geler les gens encore. C'est génial. Donc tuer les Vex. Oui. On en a eu là ou pas? Je sais pas. Fuck. Voilà. Du coup, il faudrait que je mette la carte, la clé, les quêtes. L'abysse d'Astérion, on est bien dans l'abysse d'Astérion, on est d'accord? Oui. Putain, oh, je sens que ça va être chiant à avoir ça. Frag de précision, ça compte pour plus, hein, c'est ça. Mais il n'y a rien d'autre qui compte pour plus, c'est juste les frags de précision. Oui, ok. D'accord. Je suis incapable de faire des... C'est bon. 1. 2. Putain. Ok. On va se faire chier. Oh, on va tellement se faire chier. Rien à foutre. On va au moins terminer ça avant de lancer une autre vidéo. Alors. Ah, mais les frags de précision, ça marche si je les gèle aussi. Je crois. Regardez. Oui, ça marche. Let's go. Ah. Deux secondes. Oh putain. Chiant. C'est chiant, lui, disons. Ok, on a combien?
6 sur 15, ok. Oh. C'est de la merde. Ok. L'autre à 50%, je crois. Et à genre 10% si c'est bien. Allez, 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 allez. Voilà. Voilà. Et toi, tu penses que t'allais pouvoir t'en sortir comme ça, quoi. C'est intéressant. Assez intéressant. Non, moi je libère mes ennemis pour les buter. 91, ok. C'est pas mal, 91. C'est pas suffisant pour que je fasse quoi que ce soit, mais... Ouh, j'ai détruit. Ah, j'ai pas le temps. Il va se passer, il va se barrer. On a combien? On a 11 sur 15, ok. Toi! Meurs! Ok. Chaîne de Markov. D'ailleurs, c'est Markov, c'est pas un calcul, un calculateur, j'ai dit quand même. C'est pas un mathématicien, un truc comme ça. Évidemment, cette référence n'a aucun rapport avec un quelconque son de Chris Corleone, bien sûr. 14 sur 15. On y est presque. Il se barre. Ce chien se barre. On est où là? Parfait. Faut faire quoi? Secteur oublié, perdition. Bon. C'est celui-là, là, je suppose. Non. Oh. C'est chiant quand même un peu, non? Bon. On y va. Allez, c'est parti. On se fait chier. Oui, d'accord. 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 J'adore tuer des gens. Avec mon passereau. Bon. L'ex-latino est proche. Let's go. D'ailleurs, c'est vrai que je devrais passer plus de temps à regarder dans le répertoire les gens qui sont dans la session. Mishka, Kenji, l'ex-latino. Pour l'instant, c'est ok, mais on peut avoir des trucs intéressants. On peut avoir des choses incroyables auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles je n'ai jamais été confronté. À peu près, c'est un peu presque du niveau des équipes Clash sur LoL en termes de fun. Parce qu'en plus, on est sur Steam, donc les mecs s'en foutent des pseudos qui foutent parce qu'ils le changent toutes les 300, toutes les 3 minutes. Et du coup, bah là, c'est parti. Alors. Oh putain. Oh, ce stalagmite. Non, c'est titre du coup. Pour le coup, c'est vraiment titre pour le coup. J'ai voulu flex, mais c'est pas vraiment ça. Oh, incroyable. Grâce aux yeux, vous pouvez voir un sablier. Incroyable, Clovis Bray. Le Elon Musk. Le Elon Musk de Destiny 2. Il a découvert l'utilisation des yeux pour les sabliers. Notamment. Merde. Et ya! Toi, tu fais chier, toi. Ouais, c'est ça. Parfait. Je vais sauter. Oh fuck. C'est bon. Voilà. Oh la grenade. La nouvelle grenade. Incroyable. Là on attend. Ça a rien fait du tout. D'accord. Très bien. Je me suis un peu fait voler sur celle-là, mais ok. J'ai pas eu le... Vraiment? Pourquoi j'ai pas regardé Monte Carlo pas avant, quoi? C'est... Quelle arme incroyable. Pour éliminer la bleusaille. La piétaille. Voilà. Où ça explose. Et là, c'est le moment où j'en ai rien à foutre. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup. Y'a vous là les connards. Voilà. Ok.
Viens là. Putain, j'ai même pas eu le temps de clic droit, quoi. Tellement je fais mal. Les épées, c'est trop bien. Vraiment, définitivement. Bon. On a vraiment démoli ce secteur oublié, par contre, hein. On est loin du record du monde, certainement, mais bordel. Ça résume à peu près beaucoup de choses de ma vie, d'ailleurs. Yes, un manifeste d'envoi. Oh, putain. Oh, ça sera dans la prochaine vidéo, ça. Hein. Oh, les en éliminant des combattants dans les secteurs oubliés. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va aller faire tout ça dans la prochaine vidéo. J'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf. Ça c'est nul à chier, ça c'est nul à chier. Ça c'est 92 donc c'est ok. Mais tout le reste pue un peu. Automatique mitrailleur. Plus besoin de ça du coup. J'aurais dû l'enlever. Et ça du coup merde, c'est vrai. Je fais une matrice d'amélioration là, comme ça je peux enfin enlever. Voilà ça. Parfait. Bon, ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, mesdames et messieurs. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut!